L'analyse du métabolisme territorial se fonde sur la comptabilité matérielle pour déterminer les principaux flux mis en jeu par le fonctionnement des sociétés, ainsi que pour analyser les substances critiques porteuses d'enjeux. Cependant, il serait vain de s'en tenir à cette comptabilité matérielle. Il est extrêmement important de prendre en compte les processus sous-jacents, les processus qui déterminent, qui expliquent le métabolisme territorial. Ces processus sont d'origine naturelle, ce sont des processus physiques au sens large, mais ils sont aussi d'origine sociale, au sens large aussi, des processus d'origine technique, sociale, économique, culturelle. L'ensemble va finalement former, initier un métabolisme spécifique. L'analyse du métabolisme sous forme quantitative, associée à l'analyse de ses déterminants, est l'objet de l'écologie territoriale. Analyser et prendre en compte les déterminants du métabolisme territorial permet d'identifier un très grand nombre de leviers pour la dématérialisation et montre qu'on peut rêver la dématérialisation dès lors que les territoires sont considérés non plus comme des lieux de gaspillage, mais comme des gisements au sens large du terme.